RDS, le coach, c'est Coco de Mers. Alors, Jacques, le pointage est de 3 à 2. Comment analyses-tu la tenue du Canadien ce soir? Alors, excellente tenue, Alain, de Perry Gizwin, qui a scoré un goal, mais aussi de Jacques. excusez, oui. Alors, le numéro 6, oui, le 6, Ninima. Alors, excellente tenue, malgré qu'il n'était pas en uniforme habillé. Belle tenue, bon prix. Très beau veston, peigné comme un vrai monsieur qui a une séparation. Je l'ai vu tantôt, il sent l'aftershave de son pays. Je lui ai comme posé des questions, il n'a pas répondu parce qu'il blablabla aussi que mot en anglais comme go away. Et puis, mais en tout cas, tout un fier compétiteur, même sur une galerie de presse. Parlons plutôt de ceux qui évoluaient sur la glace. Tu m'enlèves les bouts de la bouche. Le premier trio a connu une performance, somme toute, erratique. Erratique, pas dans mes goûts à moi, Alain, mais je respecte tes choix, touche-moi pas, par contre. Mais moi, je ne trouve pas, de ma part, que c'est très, très excitant un joueur de hockey qui me rechante son jackstrap de bouche. Mais au-delà de ça, moi, les joueurs, ce soir, quand je les regardais sur la... Excuse-moi, c'est le motif qui me remonte dans le gargouillis. Je vais regarder mes notes. Alors, excusez, petite goutte de bave de salive dans mes batniques. Bon, alors, je regarde dans mon cahier coloré ici. Alors, je vois ici une barre, une autre barre. Alors, I, je lis, I. Alors, le joueur qui s'appelle I, je ne sais pas de quel pays il est né, Alain, mais c'est... C'est un 11, Jacques. C'est un... Ah, oui, c'est un numéro, c'est un 11. Alors, 11, c'est je consulte le... La liste... Sakou Koivu. C'est Sakou Koivu. Alors, le capitaine, comme on dit, qu'on sait qu'il est finnois ou finlandois, comme on dit. Et alors, on a remarqué que sa blessure d'œil est guérie. Il est quasiment plus... Mais là, il n'est pas mon pro. Alors, attention, là, le Jacques, là, le pontage me gratouille. Je pompe. Je vais devenir rouge, choqué. Garde tes lunettes, Jacques. Je trouve... inexcusable, Alain. Et là, je pince mes mots. Alors que le capitaine de la Saint-Flanelette, alors qu'il ne puisse pas, c'est-à-dire s'exprimer dans un français convenant, après toutes les années qu'il a joué, et là-dessus, Alain, j'ai des chiffres. Attention. Regarde ici. Alors, le premier chiffre, c'est un 5. Alors, celui du milieu, c'est comme la moitié d'un 0. Et le premier, il est comme bizarre, je ne sais pas trop. Mais... RDS, c'est le sigle de la station, Jacques. Ah! Ah ouais, bien sûr, ça, ben oui, c'est très, très... Attends, mais je vais prendre ma pompe. De retour à vous, Pierre et Yvon. C'est ça, j'allais dire.